Donc, salut la compagnie! On se retrouve une nouvelle fois pour Dynasty Warriors 8 sur PlayStation 3, bien évidemment avec les voix japonaises, parce que je ne ferai absolument pas le jeu avec les voix anglaises. Peut-être une fois pour le trip. Et encore? Je crois pas. Et vous voyez que ça clignote en haut à droite. Partie en ligne! Puisque je ne suis pas seul une nouvelle fois, mais je ne suis pas avec ma petite Yui. Comme on l'a expliqué, les batailles dans le noir, ça lui plaît pas trop. Donc, j'ai pioché, je suis retombé sur Shiahude. Hello. Comment vas-tu? Ça va bien. Alors, c'est bien. Ça va bien, c'est bien. Profite de ne pas travailler aujourd'hui. Enfin, moi, je travaille voilà. Ce matin, mais... Voilà. Et toi, c'est ton jour de repos, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais. Bon. Sinon, choix cornélien. Avec qui jouer? Avec qui veux-tu jouer, toi? Je sais pas, comme d'hab, je prendrais le plus mauvais qui reste. Ça dépend, c'est lequel le plus mauvais à ton avis? Chez toi pour l'instant là. Je sais pas, Liu Bei. C'est Liu Bei? Moi, t'as déjà joué avec Liu Bei. Ouais. Ouais, je vais jouer avec Liu Bei. Je vais jouer avec lui, moi. Bon bah je vais prendre Zhuge Liang alors. Hyper resplendissante. Ouais mon cul. Pardon. Alors. Alors on est toujours bon. Bah par contre récupérer ça. Et on va commencer la bataille en attendant la sélection de l'autre joueur. Alors, pop, pop, pop. Hop, 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 cinquième arme. allez, véocité, c'est parfait. Les talents, c'est bien, c'est parti. Tu vas les buter quoi. Ben, ouais. Alors, que tu le saches, hein, la vidéo, elle arrive demain par rapport à quand on fait la vidéo, l'épisode 4. Et on a réussi à pas mourir. C'est bien. Non mais vous en sortez bien. Ouais. Ah, je m'en serais aussi sorti si elle avait joué avec moi, Dynasty Warriors 7. Mais on pouvait pas jouer en deux joueurs. Alors, c'est arrivé que dans le XL. Stupide d'ailleurs. あなたが劉備軍の軍師諸葛亮殿か周囲殿すべては先立って送りした諸官の党ああ固い固い共に戦おうという話をするのにそう構えることはないそうでしょう周囲殿<笑>そうだなロシク 諸官には目を通した。なるほど。劉備殿にも我ら孫悟にも理のある話だ。曹操の勢いをくじき、時を得る。そこに我らの利害は一致する。だが、それが全てではあるまい。 例えば、我ら孫悟とは違い、劉備殿には寄って立つ地がない。それこそ、あなたの狙いではないのか。まあまあ、全てを語るなど無理なこと。ならば、そこには触れずにだな。<笑>だが、我ら孫悟としても、 この同盟は望むところ決戦の地は赤壁我らの地位をもって曹操の大船団を沈めるのだ
大統領。周囲。この一時の命運どこまで読まれているか。いいえ。今はこれが唯一にして最善の道。全てはこの一戦の勝利から始まるのです。 En avant, pouvez se troupe. Alors, Genne, Nampo Yori, Soso Gunga Jaurik, Kitosu Nimukai, Shingun Steimas. Tu veux pas lancer les vents? Alors, n'empêche, il faut quand même se dire que cette alliance, hein. Jugeyang, c'est quand même un enfoiré. Le prétexte qu'il a inventé. Enfin, qu'il a voulu faire croire à Zhou Yu pour qu'il veuille bien accepter. Tu vois de quoi je parle ou pas? Comme quoi Cao Cao était intéressé par par Xiao Yida. Ça me fourrait quand on regarde. Mais je l'aime bien cet enfoiré. Quoi? Ah? Non, je le battais pas. Je suis en train d'affronter le PNJ. Le PNJ qui va disparaître. Avec le XL. Sniff. Ah merde, il y a Doudoune aussi. Bon, comme dirait Yui, c'est l'attaque étincelle. Je suis en train de se taper un délire sur les... sur la vidéo, tu vas voir. Allez Doudoune, dégage, fais chier. Merde, you! Il est derrière le coup. Petit con. Je le vois. Ah, il est là. Hello! Je t'ai vu venir! Ouais, je me suis surtout senti bloqué en fait. Tout à coup, je me suis dit, ah, même Zhao Yun, je pense qu'il est en train de faire un musou là. Ça, c'est quand même traître quoi, quand tu l'entends pas tout le temps ou t'es à moitié attentif. Ah ouais. Faut toujours rester attentif en fait dans le jeu. Première cause de décès. Bon, t'es où? Elle est moche, t'as pas trop ta cinquième arme. Ah, c'est tout seul. Je vois pas. Ah ouais, bah c'est son arme normale quoi. Donc les 200 XP qu'on récupère en là-dedans d'ailleurs, c'est ce qui nous permet d'avoir plus 300 XP quand on bute un petit soldat de merde dans Orochi Ultimate. Et ça permet d'avoir un trophée tout bidon aussi d'ailleurs au début. Récupérer cet objet après avoir buté un officier. Tu obtiens un trophée. Ah. Ah. Ça sert à rien mais... Après tu peux cheater tes persos. Mais c'est vraiment utile la réincarnation? Alors je l'ai fait pour l'instant qu'avec Hideyoshi. Et en fait au départ ça te permet d'avoir un deuxième rang. Par contre je sais pas ce qui monte. Donc tu peux avoir deux rangs S. Et en second
Après chaque niveau que tu passes, tu obtiens un point supplémentaire à partager entre ta vie, ta défense, ton musou et ton attaque. Donc tu peux être niveau 100 et avoir 999 en attaque. Bon putain, mais vous foutez quoi là? Non mais c'est par là. Attends, il doit y avoir un soldat. Mais non, y'a rien. Voilà, putain. Ah. Il est con, je te jure. Ils sont moi, ils sont déjà tous sur le bateau. Ah non, moi, mais ils étaient pas sur le bateau, moi. Il y avait ton double qui voulait pas venir. Donc j'ai pas trop compris pourquoi. Mais... En tout cas, cette bataille, c'est une bonne musique. Ouais, bah après, elles sont toutes plus ou moins bonnes. Hein. Elles sont pas mal, bien mieux que celles. Ah, ça c'est clair. Et puis il y a des bons petits remix de bonnes vieilles musiques. Non, non, j'en ai aucune en particulier en fait. Non, non. Une certaine arena peut-être. Peut-être. C'est du 3, c'est ça ? Ouais, ouais. Ah, ouais, c'est les bons souvenirs, tu vois. Tu l'as pas connu, Dynasty Warriors 3, toi. C'est dommage. On a le même âge, mais tu l'as pas connu. Dommage. Même si t'as récupéré le 2, c'est ça ? Ouais, enfin... Hey, Dio, crève. Vaincu. Tu l'as dans le cul. Ouais, je sais, c'était pourri. Pas le troll. Je veux bien qu'il ait un petit rôle à jouer quand même. Ils ont donné un petit rôle à jouer dans le jeu, mais autrement. Il est pas très bien exploité. Il fait un peu punisher, ça. Il fait un peu troll. Et pourtant, c'est le troisième préféré des Japonais, quoi. Va savoir pourquoi. Ok, c'est vrai qu'il a un bon gameplay. Enfin, si c'est un chou. Le fait que ce soit un chou, ça rend tout le monde trop joyeux. Autrement, voilà quoi. Je trouve qu'il a chié. Scénaristiquement, oui. Bah, même historiquement, il a juste conduit vraiment faire comprendre à Liu Bei qu'il est dans un stratège et qu'il lui fallait Zhou Guiliang, hein, sinon. Il a servi sur Cao Cao, hein, faut pas le nier. Oui, c'est sûr. Après, c'est pas Gojira. Hein. L'autre qui arrive comme un barbare. Je l'avais pas vu en fait sur la carte, j'étais trop concentré sur le jeu et là je l'ai vu avancer avec son bateau sur la carte. Quel malade, le Wangai. Ouais, non, mais je te rappelle que t'es cheaté. Donc c'est logique. Moi j'ai perdu la moitié de ma vie. Bon, je suis encore en vie, mais. Quand je peux, je te laisse les autres. Je bim. Contre-attaque. Là, il sait qu'il est fortiche en fait, le Liu Bei, vu qu'il a sa troisième dose de Mili. Allez, ça au pire. Heureusement que ça marche pas, ça. Sinon, j'étais mort. Il m'a lancé son musou quand j'étais en train de le péter avec l'élément supérieur, tu vois. Le truc qu'ils font toujours, quoi. La nuit orageuse.
Ouais, peut-être. J'ai jamais cherché vraiment le nom. Débuté. Faut avoir fini le jeu pour qu'il nous parle de Kyushu. Ici. Eh, attaque x2. Et puis bon, on est pas pourri hein, quand on regarde. Non, ça marchera pas. Je connais vos astuces. Oh loup! Le fils de Yi! Je vais pas dire c'est toi qui l'as buté! C'est ton double! Lol! Putain! Enfoiré! Quand je dis que c'est pas moi! Enfoiré! Ouais, tiens, on se fait un double coup plus là. Ah ouais. Voilà. Je suis énervé. Mais pour ça ils sont devenus à chier les Musudou. Je sais pas, ça a rien fait de spécial. Ça fait plus rien de spécial en fait dans Dynasty. Mais ça reste le même Musou. Peut-être un petit peu plus fort quand il tape, mais ça reste le même. Au moins dans Samurai ça donne un Musou Kaiden. Yeah. Ça j'avoue c'est classe. Ouch. Mais là avec le nouveau Musou là j'ai hâte de voir le premier trailer. Les premières images du jeu in game, même si le jeu il sortira non, je t'ai dit il sort au printemps, okay. Donc on a le temps de voir venir. T'es où, pouf, elle est morte, c'est ça, c'est pas moi qui dis. Ah ouais. T'en occupe. Ok. Merde. On prend le bon chemin, ça va pas aller. D'ailleurs, on a préparé une petite vidéo de Tales of Life 5 Ultimate. Et tu rencontres en fait des gens sans vraiment les rencontrer. Et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui jouait à Dead or Alive 5, Ultimate, et qui avait un avatar de Shushu-sama. Il y en avait deux qui avaient des avatars de Nahal-san. Peut-être que j'y aille moi. Après, il n'y a pas encore eu le blabla, donc Et là, je peux encore le but. Non, c'est bon, oui. Ça ne servirait à rien de se sacrifier. Mais c'est moi qui devais y aller, tu vois. Ça, au moins c'est fait. Ça te fera une étoile en plus. Non, ça fera une étoile à Yui en plus. Ah oui. Ouais, d'où elle me traite de primi. Même si c'est mon pseudo. Tu t'arranges avec elle. Moi je veux rien savoir. Elle traite tout le monde de larbin, de toute façon, je cherche pas. Bien chéri. Qu'est-ce qu'il veut le plus? Dégage, Léon. Ça au cas où. Bim! Prends-toi ça dans ta gueule!
et meurt. Je suis en train de m'esquinter la voix, moi. Alors ça, par contre, je rassure, hein, dans la version Jap, hein, c'est aussi long les temps de chargement, quand même. Kono hono koso ga ryūbidono no michi o terasu kagaribi desu ne. Sa, ikimashou, ryūbidono. Tsugi no ikusa wa sude ni hajimatte imasu. Mou ikkyau no? Ah. Magnifique faute de frappe. Kununu, oui. Bon, au moins on comprend le contexte. Et puis c'est plus classe avec les voix jap quoi qu'il arrive. Donc on fait. C'est vrai qu'on y fait plus facilement attention en fait. Oh, Nous voyons sur le champ de bataille plutôt, hein. タイガは男たちの気迫を移し、炎は男たちの治癒を照らした。劉備と孫権の連合は曹操軍に対勝。曹操の南進は収束する。しかし、ただ曹操を追っただけでは劉備に飛躍の時は訪れない。諸葛亮は孫後の隙を突くと諸将に命じ慶州の各地を占拠。 劉備が地を得るまで慶州を借り受けたいと孫悟に申し出た。孫権ははじめこれを不服としたが、ロシクの取りなしで了解を得る。またこの頃、深夜で劉備を導いた助書が帰還。さらに、宝刀、甲冑、義円といった英傑が劉備のもとに集う。飛躍の時を目指し、 C'est là que tu vois à quel point c'est romancé parce que ça s'est pas passé comme ça quoi. Enfin bref. Ouais, bah c'est tiré du roman de toute façon. Ouais. On peut faire la bataille avec ces trois-là. Ouais. Ça, c'est pas faux. Je préfère quand il dit Omae Taos. Ça fait plus sanguinaire quand même. Je serais bien tenté de faire tout de suite la deuxième partie de Fan Castle et non la première.
faire tout de suite le « Et si Guanyu n'était pas mort ?» Directement je sais pas. Ce sera attesté, ça. Selon les deux batailles, après on le saura. Bon, il y aura plein de personnages à jouer et surtout ne pas faire que Peng Tang qui se fasse péter. Pas difficile. Non, pas difficile du tout. Même cheater la façon dont on peut éviter ça, j'ai envie de dire. Bref, comme dit, j'ai pas beaucoup de temps pour faire la suivante, donc on va s'arrêter là. Ça te dérange pas ? Eh ben non. Ok. Donc je te remercie. De rien. Plaisir. Je ferai très certainement re-appel à toi. Eh ben quand tu veux. Hein. Y a pas de souci. Quand je voudrais, bah, je te proposerai, et puis voilà. Et sache que la vidéo, elle arrivera peut-être encore cette semaine. Ok. Si tout se démarre, si tout se passe bien, j'arrive à pouvoir te la caser pour dimanche. Donc les amis, je vous souhaite un bon dimanche. Si tout se passe bien. Mais bon, vous savez comment je suis en ce moment. Bref. Est-ce que tu as une petite chose à dire ? Oui, et ben. Je tiens à rappeler ou à vous annoncer que cette semaine sort la BD des Trois Royaumes en librairie. Je crois que c'était le mois prochain. Non, non, c'est le mois d'octobre. Ok. C'est 30 petits volumes de l'histoire des Trois Royaumes. Le coffret coûte peut-être un peu cher, mais je pense que ça vaut le coup si vous voulez découvrir l'histoire en entier. Ouais, ça je suis d'accord avec toi, je pense que ça vaut le coup. Ça vaut même grandement le coup pour approfondir. Parce que là, c'est quand même en surface. Il n'y a rien qu'à voir le mariage entre Liu Bei et SSX. Ça n'est pas le mariage qui lui a été proposé. C'est lui qui a proposé le mariage. Enfin, Zhou Geliang qui a proposé le mariage au Wu. Initialement. Non, qu'est-ce que je vous raconte comme bêtise ? Non, s'il a été proposé en fait, j'ai rien dit. C'est Zhou Yu qui a proposé le mariage à SSX, mais pour pouvoir récupérer la province du Jing. Voilà. C'est ça que je devais vous dire. Initialement, ils sont vraiment pas trop copains-copains tous les deux. Et ils ne l'ont jamais été. Il y avait une bataille dans le 4 où Zhou Yu se jetait après Zhou Geliang, après Chibi. Oui, tout à fait. Il faut juste, comme dit, savoir que c'est vraiment l'amitié entre Zhou Geliang et Liu Zhu qui a fait que ça restait entre guillemets encore intact. L'intérêt du perso. Voilà. C'est vraiment pas un personnage amateur qui n'a rien à foutre ici. Contrairement à Xushu. Tiens, pourquoi lui encore hein? Voilà. Je pense que on vous fera un résumé parce que bon, moi je l'achète pas tout de suite. Mais c'est prévu. Ça sera peut-être mon cadeau de Noël. On va voir. Et je pense que toi tu te l'acquériras aussi. Ouais, bah je vais le prendre dès que je peux pour l'exemple. Voilà, pour montrer l'exemple. Tout à fait. Et on pourra plus facilement vous détailler au fil des épisodes, tant qu'à faire. Et pourquoi pas vous faire un petit unboxing, comme ça vous montrer motive à l'acheter. Bon, ça c'est encore à voir. Bon, vous avez compris, regardez les vidéos, mais surtout, pensez à acheter la BD qui sort. En plus,
C'est pas fait par des amateurs, si j'ai bien compris. Hein. Et ouais, si vous voulez le lien, n'oubliez pas que dans la description de la vidéo, il y a le lien du site. Et sur le site, chez Yahoudé, on a déjà parlé. Au pire, je mettrai carrément le lien directement pour que vous alliez puissiez vous renseigner sur cette BD. N'est-ce pas? Ça, je suis sympa. Je vais arrêter de parler. Et moi, je te dis à très bientôt chez Yahoudé. À la prochaine.